Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de motivation avec plein de choses à faire en une journée. Vous avez été nombreuses autrefois à me demander de refaire ce type de vidéo, donc du coup je vais vous en proposer plus souvent. Voilà, c'est des vidéos où je vais englober plusieurs choses, de l'organisation, du ménage, du bien-être, enfin voilà, un petit peu tout ça. Donc là en premier je commence par la chambre de Victor et William. On a récupéré ce meuble qui était à l'appartement, c'est un meuble, c'est un banc en fait qu'on avait il y a un petit moment de ça. On l'avait retiré parce qu'on n'avait plus de place avec les deux lits côte à côte, mais là maintenant qu'on a remis les lits superposés, ça pourrait, on s'est dit que ça pourrait être pas mal. Donc là en premier ce que je fais c'est que je prends mon appareil Bicelle pour enlever les taches parce qu'il y avait pas mal de taches sur le coussin, enfin sur l'assise grise. Donc je mets du vanish comme d'habitude. Quand je vois que les taches elles sont un peu coriaces et que ça ne partira pas simplement avec l'appareil, je mets toujours du produit, voilà, un produit nettoyant. Donc là c'est le vanish rose en gel, je trouve qu'il est vraiment très efficace ce produit là . Donc là je laisse sécher tranquillement le matelas comme ça à l'air libre et je m'occupe du rangement dans la chambre parce qu'il y avait un petit peu de bazar partout. Donc là je remets un peu d'ordre, voilà, je remets un petit peu d'ordre au niveau des bacs. Et d'ailleurs je vais mettre des bacs dans ce banc. Voilà, ça sera désormais plus fonctionnel comme ça pour les enfants, ils pourront prendre leur bac plus facilement. Donc avant de mettre les bacs, je vous ai pas dit, mais voilà, j'ai mis un petit peu de produit à l'intérieur pour le débarrasser de sa poussière, parce qu'il y avait quand même pas mal de poussière au niveau des étagères. Dans la case du milieu, je mets toutes les peluches qui étaient sur le lit, parce que les enfants aiment bien mettre 2 tonnes de peluches sur leur lit. Donc là, au moins, les peluches seront là, et s'ils ont besoin, ils se serviront, mais j'aurai pas toutes les peluches sur le lit à chaque fois. Là, je vous montre, c'est William qui avait fait son lit ce matin et c'était pas mal, mais c'était pas exactement ça, donc du coup j'ai dû refaire un petit peu tout ça, mais vraiment rapidement, hein. Franchement, il avait fait le plus gros en fait. Ensuite, je m'occupe du sol parce que il était un petit peu sale. Donc là, je vous ai pas montré, mais j'avais lancé le robot aspirateur avant et là, je passe mon balai Swiffer, voilà, spécial parquet. Et voilà le résultat dans la chambre. Quand le sol est propre, c'est hyper agréable, ça sent bon, ça sent le frais. Là, c'est au niveau des rangements. Donc là, tous les bacs viennent d'Action. C'est des bacs que je n'avais pas payé très cher et qui permettent, voilà, de vraiment tout organiser comme ça. Surtout au niveau des jouets, je trouve que ces bacs sont vraiment très bien puisqu'ils sont transparents et qu'on voit tout. Et là j'ai mis dessus 2 petits coussins pour que ça fasse un peu plus cosy cocooning. Et voilà donc pour la chambre des enfants, vraiment je suis hyper satisfaite. J'avais un petit peu peur que ça fasse charger, mais au final non, c'est fonctionnel, ils vont pouvoir jouer et ranger leurs petits jouets là, ce sera beaucoup plus pratique. Ensuite je passe dans la salle de bain parce qu'il y avait des grosses marques sur le miroir, je pense que c'est les traces de buée. Parce que là, c'était pas du dentifrice ni rien du tout, c'était vraiment des traces de buée, en fait, de condensation. Donc, du coup, je donne un petit coup rapide parce que vraiment, ça se voyait. Je passe dans le salon et là je range ce meuble là en fait, parce que là on avait mis tous les bonnets, gants, écharpes et tout là,
On avait fait ça en attendant parce qu'on n'avait pas d'espace pour ranger ça. Mais là, entre-temps, j'ai acheté, donc je vous ai dit, le petit banc sous l'escalier. Et dedans, j'ai mis un petit panier filaire. Et donc, c'est là désormais qu'on met les gants, bonnets, écharpes. Et donc là, j'ai pu les retirer parce que ça n'avait vraiment pas sa place là. Ensuite, je range le tiroir avec les affaires des enfants parce que c'est un tiroir qui se met très très vite en bazar. Donc voilà, je le fais très rapidement pour qu'on puisse y voir un peu plus clair. Au passage, je fais du tri, vous voyez, il y avait quand même pas mal de choses à jeter, mine de rien. Je remets un petit peu d'ordre dans tous les tiroirs en fait. Après, il y a des tiroirs qui vont plus vite que d'autres, hein. Donc là, je remets un petit peu d'ordre au niveau des papiers, je regarde les différentes choses, voilà, je remets ça bien. Les feuilles pour l'imprimante, je les remets bien droites parce qu'elles étaient un peu n'importe comment également. Je mets la multiprise juste là. Enfin voilà, je remets un petit peu d'ordre, j'enlève les papiers qui n'ont rien à faire là, je mets tout à la poubelle et je vous montre ce que ça donne. You held me back when I tried to move on from your life. So you stole my life, but clearly. So hold me back, now you're here. Cause I'm mad, show no fear. Wanna let you know just how it felt. Je passe à mon organisation menu de la semaine. Donc là, j'ai acheté sur Amazon cette ardoise comme ça, hyper fine à mettre sur le frigo. Vous pouvez vous en servir pour écrire ce que vous voulez comme notes, etc. Moi, je m'en sers pour faire le menu de la semaine. Donc j'aime bien ce format-là, c'est vraiment parfait. Franchement, c'est vraiment nickel. Il y a un petit crayon qui est vendu avec, des petits aimants aussi si vous voulez ajouter des petites notes ou ce genre de choses. Donc là, c'est parti, je me fais mon petit menu de la semaine. Je le fais tout le temps en ce moment parce que... ça m'aide vraiment au niveau de ma liste de courses, ça me permet de ne pas dépenser trop, de ne pas dépenser plus. Donc vraiment, c'est indispensable de faire le menu de la semaine. Donc là, je le fais surtout du lundi au vendredi, puisque le week-end, en ce moment, on est quasiment jamais à la maison. On est tout le temps parti dans les travaux. Sinon, on va dans la famille en général le samedi soir. Donc du coup, voilà, je n'écris rien pour le week-end. Donc là, je vous montre au ralenti ce que j'ai prévu pour cette semaine. Voilà, c'est... voilà, je vous montre. Je vous montre en toute transparence ce que j'ai prévu. De toute façon, il y a plusieurs recettes que je vous mettrai sur Cooking Forever. Alors? Ah ouais? Mais donc il y a beaucoup trop de peluches! Il y a les miennes et les tiennes. Et même des œufs! Oui! Bon, juste avant, je vous ai filmé la réaction des enfants quand ils ont vu leur nouveau meuble. Ils étaient vraiment très très contents. Je passe à la préparation du repas. Donc là, je vous montre très rapidement. C'est des recettes express. Ça, je vous mets pas ça sur Cooking Forever parce que clairement, voilà, c'est pas vraiment des recettes. Hein. C'est voilà, c'est les repas express des jours d'école. Donc là, je prépare une salade de betterave au maïs. Et pour accompagner la salade, j'ai préparé des paninis. Donc il y a deux sortes de paninis. J'ai fait des paninis. Panini tomate mozza, donc pour Victor et moi, et par contre pour tout le reste, enfin quoi que non, j'ai fait des petites variantes à chaque fois, mais c'était surtout blanc de poulet, oignon, tomate pour Anthony, Arthur et William. Donc là, je coupe les différents ingrédients, comme ça après, j'ai plus qu'à me servir quand je fais mes paninis. L'appareil pour faire les paninis, c'est celui d'Action. Il est vraiment très très bien. Je l'ai depuis un an ou deux ans, je ne sais plus. Et franchement, il est vraiment bien. Il me fait vraiment bien cuire mon pain. La nourriture à l'intérieur est bien, bien cuite également. Donc ouais, celui-là, je vous le recommande. Et je l'avais pas payé très très cher, je crois à 9 euros ou peut-être 14 euros, franchement je sais plus du tout. Donc là je prépare les paninis, je mets l'huile d'olive en premier, la mozzarella, les tomates, et voilà pour mon panini à moi, vraiment très très simple.
fais tous les paninis comme ça à la suite, je les enchaîne. Donc là, dans celui-ci, j'ai mis un petit peu d'oignon en plus. Enfin voilà, vraiment très très simple. Hein. Pour les paninis, il n'y a pas de recette. Voilà, vous mettez vraiment ce que vous voulez à l'intérieur. Là, c'est celui d'Arthur, il me semble. J'ai mis un petit peu de mayonnaise parce que lui, la mayo, s'il n'y en a pas un petit peu dans les sandwichs, ça ne va pas. Donc j'ai mis un petit peu d'emmental râpé et voilà, j'ai fait tous mes sandwichs comme ça à la suite. Et voilà le résultat. C'était vraiment délicieux et hyper simple à réaliser. J'ai servi ça avec de la salade, donc de maïs et de betterave, et c'était franchement largement suffisant, c'était vraiment copieux, on n'avait plus du tout faim. Ensuite, je vais dans le salon et je m'occupe de laver les rideaux parce que là, les rideaux, ils étaient vraiment, vraiment sales. Quand les rideaux sont blancs, on le voit tout de suite que c'est sale parce qu'ils sont à moitié gris en fait. Donc là, j'ai vraiment repoussé au max parce que franchement, c'est pas toujours évident, il faut prendre l'escabeau. Donc là, je les ai lavés à 60 degrés pour vraiment bien les nettoyer en profondeur. Et j'ai mis également des petites perles Lenor à l'intérieur pour que ça sente bon ensuite dans le salon. Et franchement, ça sent super bon. Une fois que les rideaux sont lavés, je vous ai pas montré, je les ai sortis et ils étaient déjà quasiment secs parce que c'est une matière qui sèche très très vite, donc je les ai remis directement sur les tringles. Ensuite j'ai fait un petit saut chez B&M et aussi chez Action. Je vous ai pas montré chez Action mais j'ai été dans ces deux magasins là parce que dans l'entrée on va faire 2-3 modifications, vraiment très léger, hein, rien d'extraordinaire, mais du coup il me fallait un tapis que je n'ai pas trouvé d'ailleurs et un miroir. De retour à la maison, je fais ma petite routine tranquillou du soir. Je la fais vraiment tôt, comme ça je suis tranquille et ensuite je n'ai plus qu'à m'occuper de la routine des enfants, les leçons, la préparation du repas et tout. Pour me démaquiller, je prends le produit Garantia en crème, il est vraiment bien, il laisse la peau toute douce. Pour le masque, c'est celui-ci de la marque Herborient. Il est génial pour tout ce qui est pores dilatés, vraiment pour désincruster votre peau. Je me fais un petit chignon et voilà pour ma routine express du soir. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle va vous motiver pour votre propre journée. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.